premier gardien au palmarès, je pense. Et c'est pas une grande surprise que ce soit toi. Merci beaucoup. C'est mérité. Bah, je remercie tout le monde hein, qui a voté pour moi. Merci à vous aussi. Et tu me le donnes ça ou pas? Ouais. C'est pour moi? Oh, mon père va être content. It's for you. Hey, thanks man. J'ai jamais rêvé en fait de devenir footballeur professionnel. C'est un concours de circonstances qui a fait que voilà, j'ai eu la chance de faire un stage avec la Louvière, avec Monsieur Pirsoul. Quand la Louvière était encore en division 2. Et à ce moment-là, la Louvière jouait le tour final pour monter en division 1. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai signé pour être en division 2. Et voilà, je me suis retrouvé en division 1. Et ça a été assez vite après pour moi. J'ai appris avec Michel Pirsoul, il m'a formé. Et 2 ans après, ou 1 an et demi après, j'ai eu l'opportunité de jouer mon premier match parce que le premier gardien, il s'était blessé. Et j'ai joué donc un match avec Daniel Leclerc. Puis c'était son dernier match, malheureusement, on a perdu le match à Gand. J'y retourne ce samedi. C'était mon premier match, on a perdu là-bas 2-1, si mes souvenirs sont bons. Et puis Ariel Jacobs est arrivé. J'ai joué un match de Coupe de Belgique où je me suis bien débrouillé. Et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait confiance et il m'a dit que j'allais rester dans le but. Au début de ma carrière, il y a eu vraiment 3 personnes qui ont été vraiment importantes pour moi. Jeff Lecomte, Michel Pirsoul et Ariel Jacobs, parce que voilà, c'est des personnes qui m'ont fait confiance. Bon, c'est pas facile non plus de faire confiance à un jeune gardien. On a gagné la Coupe de Belgique, donc là, j'avais un sentiment d'avoir gagné la Coupe de Belgique avec la Louvière en étant à moitié inutile. Et en étant tout à fait utile avec Anderlecht. Je pense que je dois être un des gardiens les plus rapides, oui. Et c'est aussi le moment de la décision qui est important. Parce que oui, tu peux être rapide, mais si tu prends une décision un peu trop tard ou tu hésites un petit peu, on m'a souvent dit de suivre sa première intuition. Donc allez, une fois que je me dis que je dois y aller, j'y vais. Et bon, parfois c'est fort risqué, mais j'essaie toujours d'être le plus propre possible dans mes interventions. Mais bon, c'est pas facile non plus d'y aller tendrement dans un duel. Parce que allez, si tu y vas trop mollement, tu peux, l'attaquant peut passer devant toi. Et bon, en allant un peu plus dur, bah, peut-être que tu auras le compte favorable. Mon parcours à Anderlecht a été un peu bizarre. Je suis arrivé ici, bon, un peu comme je l'ai expliqué avec la Louvière, où Daniel Zitka avait fait toute la préparation. Donc j'arrivais un petit peu fin de préparation. On jouait un match chacun, c'est un contexte un peu particulier. Et puis voilà, je joue un gros match de Champions League contre le Betis Séville. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout joué. Et puis je me suis fait les ligaments croisés du genou, une grosse opération. Daniel Zitka a joué une de ses meilleures saisons pendant que j'étais blessé. Et puis voilà, je me retrouve sur le banc, logiquement, parce que voilà, je ne pouvais pas revendiquer autre chose que d'être sur le banc, parce que Zitka faisait ses matchs. Et puis je pars au GBA. Bon, je ne vous cache pas que les heures et les jours avant de partir, j'étais un petit peu dans un état où je me demandais si c'était vraiment la bonne chose de partir là-bas. Et puis j'ai été accueilli là-bas par des personnes comme Pierre Thyssen, entraîneur de gardien extraordinaire, qui m'ont redonné le plaisir un petit peu de travailler. Parce que quand vous travaillez et que vous êtes sur le banc, vous avez un petit peu un goût amer. Mais quand vous travaillez pour jouer le week-end, bon voilà, c'est ce qui me manquait. Et je l'ai retrouvé là-bas au Berscott. Et j'ai fait de bons matchs aussi, donc aussi pour la confiance, c'était important. Et en plus, durant cette période-là, tu marques un but. Je me souviens que c'est Khalilou Fadiga qui m'a donné l'assist. C'était la première fois que je montais sur corner. Quand j'ai vu le ballon arriver, j'ai dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai eu le bon coup de tête et qui a fait bon, « il faut un peu de chance aussi que je la mette parfaitement et que Jurgasevic soit battu. » Oui, j'ai évalué en tant qu'homme. En tant que joueur aussi, parce que voilà, je ne suis plus le même joueur, heureusement, que j'ai quand même un peu progressé. Ma blessure m'a quand même retardé et
Allez, j'ai pas pu progresser comme je le voulais dans certains domaines. Mais ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est qu'avant qu'on parle de certains gardiens à l'étranger, Chelsea était sur proto hein, pour être avec Arsenal. Et Arsenal aussi. Il y a eu pas mal de clubs qui voulaient Silvio Proto. Je me souviens qu'à l'époque, mon ancien manager avait fait le déplacement à Barcelone. Vous savez, aujourd'hui, je suis heureux. Donc je ne regrette pas ce qui s'est passé. Que voilà que le métier de footballeur c'est un des métiers les plus beaux du monde. Il y a des sacrifices à faire, mais une fois qu'on y est habitué, c'est un train de vie et j'espère jouer le plus longtemps possible. Et tant que j'aurai la volonté et l'envie de le faire et que je me sens bien, j'essaierai de le faire le plus longtemps. J'adore la pression en fait. La pression des matchs, la pression de ne pas faire une erreur, la pression aller à Anderlecht, la victoire qu'il faut souvent. J'adore jouer toutes sortes de jeux, en fait, même avec mes enfants, mon épouse. Et je suis super mauvais perdant. Je déteste perdre. Et quand je fais un bon match, j'oublie assez vite. Et quand je fais un mauvais match, je me dis allez vivement que le prochain match arrive pour directement te remettre dans le bain. Et comme on l'a dit, jouer 3 matchs par semaine, pour moi, c'est ce que je préfère. Parce que voilà, la saison passe à une vitesse incroyable et tu ne sens pas trop la fatigue. Dernière question, qu'est-ce qui peut empêcher le Sporting d'être champion cette saison ? Nous-mêmes. Nous-mêmes, parce que si on a le bon état d'esprit, l'envie, la bonne mentalité et l'envie d'aider son coéquipier qui fait une erreur, je pense qu'on a de grandes chances d'être champion. Par contre, si chacun joue pour sa tête ou pour un transfert, là, on risque d'avoir des problèmes.